Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle confidéo. Donc, ce sera une séance de travail à pied avec Jack. Le but de la séance était de remettre les bases, du travail à pied. Ça fait quand même vraiment longtemps qu'on n'avait pas travaillé à pied. Et en plus, il n'a jamais beaucoup travaillé à pied. Donc de remettre bien les bases et aussi donc, de lui apprendre à monter sur le podestre, le cube, vous verrez ça après, et de passer une petite pointe comme vous avez vu dans la vidéo d'hier. Avec Filou. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite grandement à aller la voir et je vous la mets dans le petit. Alors sur ce, je vous laisse avec les images. Donc pendant l'attente, on a travaillé pas mal de transitions pour le remettre aux ordres et tout. Parce que sur les deux séances montées, il avait été vraiment genre, horrible, il pétait un câble, donc c'était un peu chiant. Et après, j'ai travaillé, donc là sur les images que vous pouvez voir, le fait de le laisser s'autonomiser, donc de l'arrêter et moi de reculer, de tourner un peu autour, mais que lui ne bouge pas. Et c'était assez compliqué pour lui, mais une fois qu'il l'a eu, franchement, il était pas mal. Mais en fait, il comprenait pas trop le principe que moi je bouge dans tous les sens et que lui il doit pas bouger. Donc il avait tendance un peu à me suivre dans mes déplacements. Et donc, vous voyez sur ces images que, à force, il comprend, il arrive à s'autonomiser un petit peu. Il y a quelques moments où je suis encore un petit peu obligé de le remettre. Mais franchement, c'est pas mal. Il accepte que moi, je tourne sans lui tourner, sans déplacer les épaules, tout ça. Donc finalement, on arrive à de bonnes choses. Ensuite, j'ai commencé à intégrer des rappels. On peut voir qu'au début, il comprend pas grand chose et je suis obligé de mettre la pression du Nicole pour le faire venir. Mais au fur et à mesure de la séance, ça s'est amélioré. Et après, donc, on a revu le déplacement des hanches des deux sens. Et ensuite, je l'ai fait passer au fond. Parce que je sais pas si vous avez vu la vidéo de notre séance d'obstacle. Je vous la mets dans le petit i. Mais il chauffait dès qu'on passait au fond et ça s'est revu sur la séance de plat du lendemain. Donc j'ai fait ça juste après. Et donc l'exercice d'après était de lui apprendre à monter sur le podestre. Donc vous pouvez voir que pour leur apprendre ça, je commence d'abord donc, par leur faire sentir. Donc là Jack avait beaucoup de mal à le sentir, il s'intéressait vraiment qu'à moi. Donc je le force un peu à lui faire sentir. Et pour lui forcer à mettre entre guillemets le nez dessus, je vais même poser une carotte dessus pour qu'il vienne la chercher. Et il a même mis du temps à aller la chercher. Donc après je le laisse découvrir tranquillement le cube, laisser le sentir, enfin voilà, faire découvrir la chose quoi. Mais comme il se désintéresse assez vite parce que Jack c'est vraiment pas un cheval craintif, je lui prends un intérieur pour lui poser dessus et bon pour qu'il puisse voir un petit peu et je l'invite à venir vers l'avant pour mettre du poids justement sur cet intérieur et vous pouvez voir que hop il monte un petit peu mais il redescend à côté. C'est pas grave, je le redescends. Enfin, je le replace et je recommence. Et donc, je lui mets les deux pieds comme ça pour qu'il découvre un petit peu. Et à chaque fois, je réexerce des pressions sur le col vers l'avant pour qu'il comprenne qu'en fait, le mouvement doit venir vers l'avant pour se hisser dessus.
Donc, juste après ça, je vais faire un petit tour que je vous ai pas filmé, un petit tour dans la voiture pour faire redescendre un petit peu la pression parce que Jack c'est un cheval qui monte assez vite en pression. Et je reviens, et comme vous allez voir, et bah, il a quand même assez vite compris, et c'est même assez étonnant, quoi. Une fois donc qu'il a compris comment monter avec moi qui lui prends le pied, on part sur un autre exercice donc pour pas le lasser et pour pas que s'énerve, il monte en pression et donc on part sur la pointe, le même exercice que j'avais fait avec Filou et ça passe nickel du premier coup donc j'étais vraiment super content. Et après que la pointe soit passée, je lui ai mis juste une barre pour faire passer un obstacle assez simple et c'est passé aussi nickel. Comme les obstacles passent très bien, je décide d'arrêter pour pas le frustrer, pas fatiguer, pas faire de trucs qui servent à rien, et donc de revenir sur le podest pour vérifier les acquis. Donc je recommence directement en lui prenant le pied, et vous pouvez voir que il monte tout seul. Et donc après, je décide de voir s'il a vraiment compris et de lui faire monter en autonomie. Et vous allez voir par vous-même quoi. Et donc on va se quitter sur ces belles images donc de Jack qui monte tout seul sur le podestre. Sur ce, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à demain pour la suite des coups vidéo.